Yo tout le monde, c'est Mackie. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo découverte sur un petit jeu intéressant nommé Limbo. Là j'ai lancé le... D'accord. Start new game please. Ok. Donc je ne sais pas du tout qui c'est qui édite ni qui développe le jeu. Je sais que c'est un jeu de plateforme en noir et blanc. Voilà, je sais rien d'autre. Oh, ma petite enfant qui ouvre les yeux tout blanc. C'est magnifique. Allez, ce sera pas vraiment une vidéo super longue. Hein. Puisque je n'ai pas de logiciel de montage actuellement. Ok, tout ce jeu avec les flèches directionnelles. Les vraies flèches, hein, c'est pas les... On va voir. Hop. Alors. Je saute. Ok, d'accord. Il y a de la physique dans le jeu, si tu as ça. Allez. Cours, Poppy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut peut-être que je le... Comment je fais pour prendre quelque chose? Setting. Contrôle. Alors, contrôle. Ok. Ah, ok. Non, comme ça. Pour que je puisse monter dessus. Et que je puisse monter là. Voilà. C'est parfait. Ok. Bon, c'est un petit jeu bien sympa déjà, hein, franchement. J'aime bien. Il y a l'air d'avoir des casse-têtes. Il y a des bruits d'eau. Waouh. Oula. Commence à faire noir. Ah non, c'est bon. Ok, d'accord. En fait, c'est 100% de plateforme, quoi. Ok, d'accord. Ah là, on passe dans un endroit où il y a du brouillard. Je sais pas du tout c'est quoi le but du jeu, en fait. Oh mon dieu, j'ai failli mourir. Franchement, c'est un jeu, je pense que je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la description. Parce qu'il est pas super gros, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hop, je pense que c'est bon là. Ouais, il est pas super gros. Mais monte. Ok, on peut pas monter. Alors. Ok, d'accord. Je pense que si je fais ça comme ça, ça devrait être bon. Et ouais. Oh. Tiens. Si ça c'est le début, les amis, je pense bien en refaire dessus, hein. Je pense que ça va être vraiment chaud en fait. Ok. Alors, à part des ombres et du blanc, des arbres, ça va, il y a un univers varié, je veux dire. Ah, là, il y avait un piège et je viens de me faire niquer la gueule. Oh putain. Et j'ai sursauté, les amis, j'ai sursauté, je vous promets. Mais comment vous voulez échapper à ça? Oh putain, j'ai sursauté deux fois. C'est pas possible. Mais comment vous voulez échapper à ça? En run, non, j'ai pas le temps. Ah, mais c'est dégueulasse. Run, un petit saut. Non, après, c'est le deuxième. Il peut pas se baisser, le Gugus. Contrôle. Ah, ok, d'accord, on peut les bouger. Ah, j'ai pas sauté. J'ai sauté trop tard. Oh mais non, je suis vraiment une queue ambulante. Allez, viens là. Hop, on prend de l'élan, on saute, on prend de l'élan, on saute, voilà. C'est comme ça que ça se passe ici, ok. Donc je disais oui. Ok. C'est assez glauque hein, comme jeu.
Ok, là il y a un piège. Je comprends pas. Il y a un piège. Et si je fais ça? Ah bah voilà, bah j'ai trouvé en fait. Eh, je suis vraiment bon en fait. Mais en fait, c'est assez glauque hein, comme jeu. Je crois que c'est un jeu qui est fait pour vous faire sursauter à la base. Oui, il est quand même assez pas mal. Il est assez pas mal. Il est assez pas mal. Il est pas mal fait. Oh mon Dieu. Chaud. Donc graphiquement, ouais, j'en ai déjà parlé, c'est assez varié les univers, franchement. Là, on est passé par l'eau, le brouillard, là on est dans une forêt. Pour le son, je suis un petit peu déçu. Ils auraient dû peut-être mettre un petit peu de musique. Parce que sinon l'ambiance sonore elle est pas mal. Ok. Donc j'ai un mec qui ne sait pas nager. L'ambiance sonore, elle est pas mal, il y a pas mal de petits sons. Ouais, mais en vérité, je dois faire quoi? Je dois peut-être le pousser, monter dessus. Non, 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 remonte dessus. Non! Mais abruti! Ou alors peut-être rentrer dedans. Je sais pas. On va essayer. Bon, là j'ai encore pied. Ah, j'ai encore fail. Ah non, en fait, je pense. Je vais prendre de l'élan et je vais monter dessus. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire en fait. Alors. On va reculer. Comme ça. On va prendre de l'élan. Et on va faire hop, 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 hop. Continue, continue. Espèce de boulet! Je vois pas comment on pourrait passer en fait là. Ah si, ok, je viens de comprendre, je crois. Je suis pas sûr. Là, il y a une liane. Alors, je sais pas. Ouais, si, c'est ça. Ah, mais en fait, elle sert à quoi la liane? Parce que je peux pas monter ailleurs, en fait. Oh mince. Allez! Saute! Mais faut que je saute jusqu'à là-bas. Et on peut pas se balancer. Peut-être en appuyant sur contrôle, on peut se balancer. Voilà. Ok, donc on peut se balancer. Allez. Allez. Oui, Bobby. Ok. Ils veulent que j'aille où là? J'ai sauté trop tôt. Bon, écoutez, on va faire cette dernière petite énigme, enfin ce dernier petit passage. Et je vais vous laisser là-dessus. Allez, saute! Ok. 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 Bon. C'est de la plateforme. Ok. Là, l'arbre, je suppose, on va devoir le pousser. Et ça va tomber dans l'eau. Non, dites. L'arbre, il y est tombé. Ok, d'accord. Faut tout que je refasse. En fait, quand on a poussé l'arbre, faut repartir dans l'autre sens. Je suis un niais. Un truc puissant, je vous le dis. Allez, mais saute dessus. Oh là là.
Le petit Gugus, on va l'appeler Bobby. Allez, Bobby. Gustave, vas-y. Montre-nous que t'as des burnes. Allez. Allez. Oui, c'est bien. Ah, il y a une liane. Ok. Et à quoi ça sert de venir là si on peut pas aller ailleurs? Putain. Il nous faut aller à un endroit où on n'a pas spécialement besoin d'aller. Ok. 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 Bon. Ok, le mec, c'est un malade, hein. Ok, d'accord. Epic fail. Ah, il va peut-être falloir que je combine les deux aussi. Reviens là, la caisse. Hop. Allez. Normalement, si je combine les deux, ça devrait le faire. Enfin, si je peux. Ok. Oh, non. Pourrais-tu aller dans l'autre sens? Je vais le pousser encore un petit peu. Là, je vais monter dessus. Je vais sauter. Et on saute. Et voilà. Si c'est pas beau. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Ah, là où il y a un piège. Ok. Je vais vous laisser. Je vous dis. Oh, il y a une grosse bébête. Il y a une grosse bébête. Mais en fait, je crois qu'elle veut me déchirer là, en fait. Oh la salope. Il y a une grosse bébête. Elle me vise. Elle me vise. Oh la salope, elle m'a fait peur. Je suis mort. Oh mon dieu. Oh, elle m'a fait peur. Y'a la grosse bébête. Ok, d'accord, ok. Mais là où il y a un piège. Mais c'est bien mignon, mais là je crois que je vais être bloqué. Ah, je suis en train de choper un méchant truc à la jambe là. Ah mon dieu. Attendez, je suis en train de réfléchir. On va se laisser là. Hein. Vous inquiétez pas, mais je réfléchis. Comment vous voulez que je passe? Peut-être qu'il faut que je la chope. Le truc complètement débile. Viens là, je te fais un câlin. Oh, mais oh, ça me surprend cette merde. Chope. Allez, chope. Chope. Mais vous voulez faire quoi? Mais en fait, je vois pas ce que. Oh, faut peut-être choper le papillon. Oh là là, elle m'a déchiré direct. Même pas eu le temps de comprendre d'où je venais. Oh. Ok. Mais à part ça. Parce que là-haut c'est bien beau, mais il y a un piège. En gros, le piège, faudrait que je le fasse tomber et que je le mette là où l'araignée elle va essayer de me piquer. Mais je peux rien prendre. J'appuie sur contrôle depuis tout à l'heure, il se passe rien. Là, je suis mort. Ok. Je vois pas ce qu'on pourrait prendre en fait. Oui, je l'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Pas la peine de le regarder. Ouais, c'est moi. Et bah écoutez, hop. Je crois que j'ai compris. Ah merde. Je vais essayer de la choper. Enfin, je vais essayer de choper son. Non, j'arrive pas à choper son truc. Allez, vas-y. Faudrait. Non. Faut pas choper son. Essaye de me piquer.
Oh merde, je me suis fait niquer. Bon, les gens, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer si ça vous a plu et de vous abonner si vous voulez vous abonner. Oh la connasse. Ah là, je vais me faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.